Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que j'avais hâte de reprendre les vlogs avec vous, de reprendre là une nouvelle série maintenant que la sèche est finie. Donc aujourd'hui on est jeudi, j'ai pas cours exceptionnellement jeudi, vendredi, donc j'ai un week-end de 4 jours. Du coup je vais profiter de la journée d'aujourd'hui pour vous faire une bonne vidéo sympathique. Donc là ça va faire quasiment 2 semaines, donc 12 jours exactement que la sèche est finie. Ça fait 12 jours que je fais plus de cardio, que je mange comme un bon, que les perfs commencent à revenir, donc ça fait archi plaisir. Ça fait également 2 semaines que je ne me suis pas du tout pesé, tout simplement parce que ça m'importe peu, mais pour la vidéo on va quand même se peser ensemble histoire de voir où ça en est. Donc attention, suspense. 85,4 kg, sachant qu'à la fin de la sèche j'étais à 82 kg. Putain. Bon, je tiens à préciser que comme j'ai pas mal mangé, il y a pas mal de rétention d'eau avec les petits tacos qui ont un petit peu dérapé de temps en temps. Donc voilà, c'est pas un vrai 85 kg, j'ai pas pris 3 kg de gras ni 3 kg de muscle parce que ça n'existe pas, il y a beaucoup de rétention d'eau. Donc là, il est 8h du mat, je viens de me lever, comme vous avez vu, je me suis déjà préparé mon petit café sur la terrasse. Et regardez-moi ça, putain, regardez ce soleil. Il est 8h du mat et je suis déjà l'homme le plus suant de France. Putain, il fait 27 degrés, je viens de regarder avant. 8h du mat, 27 degrés. Quoi programme aujourd'hui? Je pense que je vais vous faire une bonne séance de street workout dehors au poids de corps pour bronzer, transpirer et reprendre les perfs aux tractions tranquillement. Regardez ça, j'ai vidé mon stock de confiture et de beurre de cacahuète. Je crois que j'ai mangé... Donc ça, c'est l'équivalent de presque 1 kilo que j'ai mangé en 1 ou 2 semaines. Du coup, là, je vais devoir aller acheter ça. Je vais y aller cash ce matin, vu qu'il n'y aura personne sur la route. Du coup, voilà, on va prendre ce pot vide et on va se ramener un pot rempli. C'est parti. Ok, donc le beurre de cacahuète, il est hal. Je suis un peu dégoûté parce que je suis allé là où je prends le mien d'habitude, mais ils n'en avaient plus. Ça fait 3 jours qu'ils sont en rupture de stock. Ensuite, je suis allé au Lidl, il n'y en avait pas non plus. Et du coup, je me suis tapé 3 magasins juste pour acheter ça. En plus, dans celui-là, il y a de l'huile de palme et il y a du sucre de canne. Même si c'est un truc bio, c'est de la merde. On est dégoûté. Putain, en plus, il fait chaud. Et il est 10h30 là. Donc, on a fait une petite avance rapide. Il fait déjà 30 degrés. À la vie de ma mère, je suis en train de suer là. On va rentrer tranquille. Et on se retrouve à la casa. Calme. Donc voilà, les 2 beurres de cacahuètes sont achetés. On va arrêter de les utiliser pour les transitions parce que ça devient ridicule là. On va se retrouver pour le déjeuner. Ça va être de toute façon, ça va être du riz et de la viande hachée. Vous commencez à me connaître et comme ça, je vous expliquerai un petit peu où j'en suis au niveau de la diète. Et voilà, à toutes. Ok les gars, donc c'est l'heure de manger, le déjeuner il est prêt, donc 135 g de riz cru avec 100 g de viande hachée. Donc vous voyez, la diète elle change pas, je suis plus en sèche, je compte plus mes calories, mais voilà, moi j'ai ma routine, donc ma diète va rester propre, et tout ce que je mange avant, je vais continuer à le manger, juste que je vais plus peser, et donc ça va être ça la seule différence. Donc là le programme c'est que je vais manger ça tranquille, en regardant des vidéos sur YouTube. D'ailleurs sur YouTube on a dépassé les 10 000 abonnés, sur Insta on a dépassé les 30 000 abonnés, vraiment. Ces derniers temps vous m'apportez un soutien exceptionnel, c'est ouf. Genre pour les vidéos que je fais, je vous filme juste mon quotidien, ce que je fais, j'essaie de vous donner mes petits conseils. Et je vous partage ma passion, donc vraiment un énorme merci. Plus de 10 000 abonnés, c'est ouf. Vous inquiétez pas, la vidéo des 10 000 calories arrive très très bientôt.
Et la vidéo de la sèche, donc la vidéo finale, arrive également bientôt. Ça va être plutôt ouf, je pense, si vous allez kiffer. Là, je vais manger ça tranquillement avec un peu de sauce barbecue. Nique sa mère la diète. Et on se trouvera cet après-midi pour la séance du muscu qui se déroulera dehors au parc. Mais voilà, ça, on se capte déjà après. À tout à l'heure. Bon, les gars, 14h, ça va être l'heure d'aller s'entraîner. Là, j'ai bien digéré, j'ai déjà bu mon petit café tranquille. Dehors, il fait salement beau, il fait salement chaud. De base, j'avais pas prévu d'aller m'entraîner dehors aujourd'hui, parce que ça va être séance traction. Mais comme je vous filme la vidéo, je me dis que ça peut être sympa de vous filmer un petit peu le parc et de vous filmer une petite séance de street workout. Donc, je vais aller au parc qui est juste là-bas. Là, c'est l'entrée du parc. Ensuite, j'irai au fond là-bas. Je traversais le côté français et j'irai en Allemagne pour faire la séance de street. Donc, voilà. Je vais me changer, je vous fais un petit montage stylé. Allez, enjoy. Ok, l'ami, je viens d'arriver au parc comme vous avez vu. Donc, parc en Allemagne à Kiel. L'endroit qui nique tout avec la tour, le petit parc à street. Et là-bas, vous avez vu sur le chemin, il y a de l'eau et tout ça. Donc là, j'ai fini l'échauffement. Il fait 38 degrés, il fait salement chaud. De base, j'étais tout seul, il y a deux mecs qui sont arrivés, j'ai trop le seum, sérieux. Du coup, je vais faire que des tractions aujourd'hui parce que j'ai encore des putains de courbatures au dips d'hier. J'ai vraiment forcé là-dessus. Donc au programme, j'aimerais retester un max de rep en dead stop pour rebosser les compètes, tout ça. Donc je vais faire ça en début, donc je suis pas encore congestionné. Donc première série, là que vous allez voir, ça va être un max de rep, pas peut-être le max à fond, mais beaucoup de rep en dead stop. J'ai ma magnésie, heureusement, parce que déjà, les barres, elles sont brûlantes, elles sont épaisses, donc c'est vraiment la hesse horrible. Du coup, voilà, ensuite, ça va enchaîner avec des tractions full volume. Je vous filme avec des petits angles un peu stylés si j'arrive à faire ça. Si mon portable il surchauffe pas parce qu'il m'a déjà lâché juste avant. Du coup voilà. Là je me prépare et je vous filme traction desktop max rep. C'est parti. Les deux mecs sont partis, du coup je suis solo. Il y a littéralement son père dans le parc. Donc là ça va pouvoir envoyer du lourd. Bah, là faut que je fasse la première série. J'ai un peu la flemme parce que j'ai biceps congestionné. Je sais juste vous chercher le meilleur angle. Et c'est parti, Inch'Allah, je fais au moins 20 reps. Go. Bon, première série finie, j'ai fait 25 reps avec un vrai bon dead stop. Putain, c'était trop dur, sa mère. En fait, le bail, c'est que les barres, attendez, je vous montre, elles sont salement grosses. Genre, en plus, j'ai une grosse main. Mais du coup, au niveau du grip et de l'insertion des biceps, ça fume. Et plus tu fais de reps, plus ça s'amplifie. Du coup, ouais, 25 reps. Bon, après, c'est pas dégueu, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Allez, maintenant on va charbonner. J'ai décidé de partir sur 10 fois 8 reps le plus explosif possible. Donc là j'en ai déjà fait 4 fois 8.
la cinquième série, je vous la filme. Comme ça, vous voyez comment je l'ai fait à peu près. Et après, c'est 10 fois 8 tractions, ça en fera 80. Merci, Bazinga. Je ferai des muscle-up. Du coup, là, je vous filme une ou deux séries de 8 reps. Je veux dire que c'est intense. Wow. Donc 80 tractions, à peu près 10 minutes j'ai fait ça je crois, 10 séries de 8, donc je sue comme never. Donc là ça va partir sur des muscle up. Je pense que je vais le faire en série de 5, sinon je vais pas assumer. Du coup j'essaye encore de vous filmer ça. Par contre c'est vachement galère de trouver les plans. Genre je pose le phone, après je le regarde, je vois que le bail il est tout de travers. Du coup désolé si vous regardez les séries comme ça, mais je peux pas faire autrement. Du coup on va essayer de faire un 5x5 muscle up, ça fera 25 reps, ce qui est pas mal. Allez let's go. On est comment là capillairement? C'est pas ouf hein. Putain j'ai trop le seum les gars. J'ai ramené une barre prot, genre au chocolat, mais j'ai pas pensé que ça allait fondre. Putain, je suis vraiment con. Allez, on y retourne. Oh la vie de ma mère, la barre elle est trop chaude. Elle est trop trop chaude. J'ai cru que ma peau elle allait s'arracher. Bon, 2x5 muscle up. Encore 3 séries. Oh putain. Allez. C'est la guerre. Putain. C'est seulement de travers. Attendez. Ouais bref, ça a rien changé. Ah j'ai le soleil dans les yeux. 2. Oh, je deviens fou! Je fais n'importe quoi! Les muscle-up, c'est fini! On continue sur. Qu'est-ce qu'on va faire? 10 séries de 8 tractions encore. C'est parti. Je suis à 4 séries de 10 tractions là, donc 40. Niveau physique ça va, mais au niveau des mains, je vous jure, ça fait trop mal. Je crois que je vais avoir un steak. Enfin, un steak c'est quand la peau elle s'ouvre. Mais ouais, ça nique les mains, j'ai vraiment trop mal. Du coup là j'en suis à 4 fois 10, il me reste 6 séries de 10. Et on aura fait le début du programme. Du coup voilà, pour les dernières séries, je vais essayer de vous en filmer. Série de 10, dynamique, sans pause. Allez, je vous filme la 5ème série. Ça fait longtemps que je peux utiliser cette barre. Elle a chauffé. Ah, la mif. Merde. Encore 3 fois 10 tractions.
Mes mains, elles sont en enfer. Allez, la dernière série de 10. C'est parti. Je suis éclaté. Bon, ça c'est fait. 10 fois distraction. Là, donc je disais, la chaleur elle fait peu qu'elle fun de ouf. Donc là, je vais continuer les tractions. Full série de 6, série de 8. Je vais pas continuer à vous filmer parce que ça casse les couilles de mettre par terre à chaque fois et ça va être trop ennuyant pour vous. Du coup, je vous retrouve à la fin de cette séance là. Là, je vais faire des séries de 6, voire 8. Et je vous dirai après combien j'en ai fait. Comme je vous ai dit, j'ai fait 10 fois 6 tractions encore. Donc ça nous fait un total de 10 x 10 tractions, 10 x 8 tractions, 10 x 6 tractions et 5 x 5 muscle up. Là, je vais juste grailler une barre prot avant qu'elle fonde trop. Et comme ça, j'ai ma dose de prot en post-workout. Du coup, là, je vais vite fait monter tout là-haut. Et on se retrouvera en haut. Base. En sueur. Je suis. Et. Là, t'es trop de marche. Voilà les gars, admirez cette putain de vue. Donc là, c'est l'Allemagne. On a Kehl. Et là-bas, c'est Strasse, de l'autre côté du Rhin. Voilà. Là, c'est le parc en Allemagne. Putain de tuerie. Attendez, je vais vous faire le tour. Donc tout là-bas, c'est l'Allemagne. Et là où je suis en cours, moi, c'est genre vers là-bas au fond. Mais on s'en bat les couilles. Du coup, là, c'est le parc Astrid. Là en bas où j'étais. Avec une petite piscine. Voilà. Du coup, là, le bail, c'est que... Je pense que je vais revenir ce soir pour vous montrer le coucher de soleil parce que c'est salement beau. Du coup, on va faire une petite transition à ce soir. Attendez. Allez. C'est parti. Tain, les gars, regardez-moi ça. Point bonus pour la transition, point bonus pour la vue et point bonus pour le coucher de soleil. Probablement la meilleure vue qu'il y a ici dans... Enfin, pas dans la région, mais dans la ville. Donc là, je suis à Kehl sur la grande tour. Vous voyez, c'est assez haut. Et voilà. 21h10 là il est, le soleil devait se coucher à 21h15 donc on est plutôt pas mal. Puis juste revenu sur cette tour pour vous montrer ça, j'ai putain en plus failli être en retard, j'ai dû tracer comme un ouf sur le vélo. Mais voilà, moi là je suis posé, ah j'ai des courbatures de ouf au dos. Mais voilà, en plus je suis tout seul, il y a littéralement personne. Et ça, ça fait plaise, merci la canicule. Non sérieux, voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas fait tout ça pour rien parce que mine de rien monter toutes ces marches c'est... ça crève. Du coup voilà, petit coucher de soleil et on va se retrouver chez moi à l'appart pour la fin de la vidéo. À tout de suite. Ok les gars, donc on se retrouve à l'appart pour la fin de cette vidéo. Donc là il est assez tard donc je vais me poser tranquillement et continuer à taffer pour mes futurs examens. Juste pour finir cette vidéo, j'aimerais vous parler des shorts et des nouveaux articles Base Athletics, puisque lorsque vous regardez cette vidéo là, ils sont en ligne sur mon site. Donc on a enfin les shorts qui sont dispo, donc en deux coloris, un espèce de bordeaux, on a avec la lumière ça rend rouge, et exactement le même en noir. On a ensuite également les claquettes en édition vraiment limitée, donc claquettes en plastique avec le rembourrage là en dessous. Et pour les filles, s'il y en a qui regardent cette vidéo, les brassières Base Athletics avec des baleines intégrées. Enfin non, ça s'appelle pas des baleines, mais le rembourrage quoi. Cette brassière est disponible en bordeaux et en jaune fluo. Pour les shorts, s'il y en a qui veulent me soutenir, me donner leur force, ou simplement avoir des shorts pour l'entraînement et pour la canicule qui en ce moment est l'été, bah, vous savez où trouver ça, ça me ferait vraiment plaisir. Vraiment, votre soutien, il est assez important pour moi. Et sinon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'hab, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle série avec Bazingra, un mec solide et des grosses perfs.
Enfin bon, je vous souhaite une bonne soirée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et voilà, on se voit donc à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.